Si vous êtes parent, étudiant, professeur, cette émission vous intéresse parce que vous êtes concerné. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette émission. Je vous présente tout de suite mes invités. On n'a pas le temps à perdre parce que la matière est abondante. D'abord, je salue Monsieur l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Vous nous avez fait quelques infidélités, mais enfin, vous habitez à Ancelé quand même, ça on peut vous excuser. Maître Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Au passage du générique, vous avez bien lu, oui, l'amour de la science. En réalité, nous voulons ici parler d'une matière qui nous intéresse tous. Nous déplorons le fait que notre enseignement est ce qu'il est. Mais d'autre part, nous constatons aussi qu'il y a de temps en temps des étudiants qui sortent des mêmes universités qui sont remarquablement doués. Alors, nous disons, mais il faut peut-être responsabiliser les étudiants pour qu'ils soient véritablement à leur place. Parce que un étudiant, c'est un chercheur en formation. Je n'en dis pas plus. Je voudrais que M. l'abbé nous donne d'abord, parce que professeur, l'état des lieux. De notre enseignement, en prenant en compte l'étudiant, mais très brièvement, l'étudiant et le professeur. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux est très simple pour moi. J'ai donné cours dans un institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs de la place, et je me suis rendu compte que l'étudiant n'est plus étudiant. C'est-à-dire l'étudiant ne fait plus son boulot, si on peut parler de boulot, hein, son boulot d'étudiant qui consiste à étudier et donc à aller vers la science, à aimer la science, à aimer le savoir, n'est-ce pas? Et le professeur n'est plus professeur, bien entendu, ici je parle d'une manière générale. Il y a des exceptions, à toute règle, il y a exceptions. Mais d'une manière générale, j'ai réalisé, en observant mes collègues enseignants dans les milieux où j'étais enseignant, professeur si on peut dire, eh bien, qu'il y en a plusieurs qui ne sont plus professeurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en résumé, que ce soit du côté de l'étudiant ou du côté du professeur, tout s'achète, tout se vend. Tout se vend du côté du professeur. Tout s'achète du côté de l'étudiant. Ce qui fait que le savoir, la science qu'on a envie de découvrir, qu'on va aller chercher à l'université, ce n'est plus cela qu'on va chercher. On va chercher des points. Et celui qui donne les points, c'est le professeur. Et ces points-là, il les vend. Il vend le syllabus, il vend les TP. Il vend la correction, de mémoire, il vend tout. Et j'ai même appris que non seulement qu'on vend la correction de mémoire, mais on vend aussi le dépôt du travail. Donc quand tu vas déposer ton mémoire, tu dois prévoir quelque chose, n'est-ce pas? Tout se vend et tout s'achète. Et où est la science à ce moment-là? La science, on peut se poser bien entendu, on la met quelque part. Peu entre parenthèses, parce que ce n'est plus l'amour de la science qui nous guide dans notre être étudiant ou dans notre être enseignant. Merci. Voilà. Maître Magala, quel commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit très rapidement? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais ceci, au-delà de ce qu'a dit M. l'abbé, professeur, il faut ajouter après l'étudiant et le professeur, l'infrastructure.
L'infrastructure n'y est plus, ne répond plus. Et c'est la question qu'on a toujours débattue autour de cette phrase, de cette table, de savoir si on doit faire l'université des masses ou université élitiste. Une université élitiste va avec les moyens. L'université coûte cher pour un produit d'élite. Nous voulons une université des masses, c'est-à-dire que tout le monde veut être chercheur, ingénieur, avocat, sans y mettre les moyens. Conséquence, les gens ne vont plus à l'université pour étudier, ils vont pour chercher le parchemin. Et qui ne leur sert à rien dans la vie active, parce qu'ils n'ont pas mis la science où elle devait être. Ils ont le parchemin et ils n'ont pas le savoir qui devrait aller avec. Conséquence, nous produisons des semi-lettrés. Donc c'est une partie importante, l'infrastructure. Je me suis donné un exercice, j'ai fait le tour de quelques universités ici. Vous savez qu'un professeur visiteur, il est payé entre 8 $ et 12 $ l'heure. Pourquoi il serait cohérent dans son enseignement avec tous les sérieux? C'est-à-dire que quand il a un cours de 45 heures, il a 450 $. Or, il est visiteur, donc ça lui prend toute une semaine. On a les résultats qu'on a semés, forcément. Et en parlant d'infrastructure, il paraît qu'à la colline expirée, c'était un drame que les étudiants vivaient parce que les installations sanitaires ne répondaient à rien du tout. Là où on hébergeait les mères, même le futur maman, c'était grave. Enfin, une parenthèse. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à cela? Je crois qu'après ce qui vient d'être dit, il n'y a plus grand-chose à ajouter parce que, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'université, parce que c'est l'aboutissement de ce cursus, a perdu le Nord. Parce que les gens qui y vont, ce n'est pas pour acquérir certains savoirs, c'est uniquement pour revenir avec un parchemin, quel que soit le contenu que ce parchemin peut revêtir. Alors, à partir de ce moment-là, on se dit, quand on a les moyens, donc, je vais acheter. Alors que, nous, à notre époque, c'était le savoir pour le savoir, finalement. On était heureux d'épater les autres pour avoir lu, par exemple, je ne sais pas qui, Mallarmé. Hein, quand on a lu « Quand la Chine s'éveillera », oui, c'était il y a un certain nombre d'années, mais il fallait lire, c'était un gros bouquin comme ça. Mais les gens voulaient découvrir ce qu'il y avait dedans. Donc il fallait se donner le temps. Quand vous lisez les mémoires de Kissinger, ça vous permet trois tomes. C'est des tomes, mais ça vous permet d'avoir une vision, une connaissance du monde par l'expérience que lui vous transmet. Aujourd'hui, tout ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, lorsque vous commencez à rentrer dans tous les milieux où vous passez, que vous avez lu tel ou tel, vous voyez tout le monde finalement chercher à vous éviter ou à se détourner de vous. Donc, c'est toute une atmosphère qui n'existe plus, qui incitait à chercher à en savoir toujours plus. Tout à fait. Cette atmosphère a disparu. Eh oui, parce qu'à l'époque, c'est vrai que, je ne sais pas, avec l'âge, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Les filles, les amis les épataient. Nous, on était au séminaire, on n'était pas concernés. Les épataient par le... Maître Magala se moque de moi. Bon, quand une fille entendait un jeune garçon bien parler, mais elle était attirée par ce garçon. Aujourd'hui, il semble que ce n'est plus ça. Mais après vous avoir entendu, monsieur l'abbé, je voudrais poser une question. Magala nous dit, nous allons vers une université de masse, alors que l'université, ça coûte cher. Harvard, ça coûte cher. Mais comment concilier le fait? Vous dites que les professeurs vendent, mais l'université devrait coûter cher, comme
elle ne coûte pas cher. Le professeur n'a pas son compte. L'éthique, n'en parlons pas. Que faire? Le serpent s'est mordu la queue, là. Refaire l'université. C'est-à-dire redonner à l'université... C'est l'être de l'ouvrage. Sa vraie identité et sa vraie mission. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que l'université coûte cher. Nous avons étudié à l'université où nous payons les frais, et c'est vrai, ça coûte cher. Mais nous avons aussi eu la chance d'étudier dans cette même université, par exemple l'université de Kinshasa, qui était l'université de Lovanium à l'époque. Je t'ai subventionné un peu. Eh bien, cette université à laquelle, dans laquelle nous avons étudié, nous recevions une bourse d'étudiants. Mm-hmm. Chaque mois. Et donc, l'université coûte cher, non pas pour seulement les bénéficiaires et les prestataires, mais pour coûte cher aussi à l'État. Parce que si l'État veut investir dans l'homme, c'est là le vrai problème. Si l'État veut investir dans l'homme, il doit y mettre le prix. Il doit y mettre le prix. En termes d'abord, d'infrastructures convenables, les locaux. Je donne cours dans un institut de la place, eh bien, un local prévu pour 80 étudiants, j'en ai plus de 500. Mais comment veux-tu donner cours dans un local prévu pour 80 étudiants et en avoir autant? Et ils sont partout, ils sont au pied de... Aux fenêtres. Ils sont partout. Et puis, quand est-ce que tu vas corriger les examens? Comment est-ce que tu auras le temps de corriger? Monsieur l'abbé, je vous coupe la parole. Il faudrait faire un choix, non? Ou bien on fait une université de masse, ou bien on fait une université élitiste. En ce moment, ici, on pourrait choisir quelle université, de masse ou élitiste? Il faut, je crois, commencer par là. Ben, je crois que le choix, université de masse ou université élitiste... Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ce choix-là était conditionné par ce qu'on appelait les tests d'admission à l'université. On avait des tests d'admission à l'université, en dehors de l'examen d'État. On avait un test d'admission à l'université. Si bien que tu peux avoir ton diplôme d'État, mais tu n'es pas nécessairement habilité à... étudier à l'université. Mmh. Il fallait encore que tu réussisses à un test qui va montrer tes aptitudes à être orienté pour les études universitaires. Mmh. C'est un élément qui entre en ligne de compte. Mais, et puis, je crois qu'on devrait, dans un pays comme le nôtre, mettre plus l'accent sur les instituts supérieurs techniques que sur l'université. Merci, monsieur l'abbé. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Maître Magala, université élitiste ou université... Université élitiste et à côté, les écoles de métier. Non? Oui, vous savez qu'entre le blanc et le noir, on peut choisir le gris. C'est-à-dire que... enseignement gratuit, c'est bien, mais il y a toujours quelqu'un qui paye. Quand on dit que l'université... coûte cher, c'est vrai. Nous, on n'a pas payé trop cher parce que l'État paye. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Et je crois qu'il y a lieu de faire un choix. On s'est dit, pour certaines options, l'université va coûter cher. On dit le droit, l'économie, la médecine. Mais pour d'autres, ils seront subventionnés. On prendrait l'agronomie, on prendrait... Les sciences directement utiles. Utiles à la vie. Utiles à la vie de la nation. Mm-hmm. Et cela serait pris en charge. Et alors, ils auraient d'autres déclinaisons dans les instituts supérieurs, mm-hmm, pour avoir la main-d'œuvre directement disponible pour l'État. Mm-hmm. Au lieu de faire des chercheurs qui ne cherchent rien à la fin. Et ça dépasse qu'on vous dit, on a sorti aujourd'hui 2000 licenciés en droit. Mais on les met où?
si les magistrats sont en grève, si les avocats ne les prennent pas parce qu'ils ne sont pas aptes, ils servent à quoi? C'est ça le souci, d'avoir, de produire des gens qui sont censés faire partie de l'élite, mais qui ne représentent rien. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi l'absence de modèle. Les étudiants qui fréquentent aujourd'hui n'ont pas de modèle, et en termes de professeurs, et en termes de parents. C'est-à-dire, facilement, un parent trouverait son enfant en train de lire, il demande « Yangoye au fond de la gare Kotanga ». Bon, si déjà il n'a pas de repères à la maison, il arrive à l'université, il n'a pas de repères en termes d'enseignement, forcément, il ne sait pas où se situer, et il passe son temps à croiser les bras. Vous savez, quand vous avez étudié, je prends le cas qui est le mien, quand vous avez un homme comme Liaou qui vous enseigne, un homme comme Vundawe, un homme comme Luruma, un homme comme Lunda Bululu, ça vous donne envie d'étudier parce que il transpire le savoir. Il n'a pas le temps de savoir, de vous demander 10 dollars pour il n'est pas là. Il transpire le savoir et le savoir l'a façonné d'une certaine façon. Et il le transmet avec plaisir. Oui, il transmet avec plaisir. Vous voulez être comme lui. Mais si vous avez déjà un professeur qui vous raquette, c'est-à-dire, ok, que je prenne ce que je peux, mais je ne veux pas être comme ces messieurs. Ça pose problème. Ça, c'est le côté, le couple étudiant-professeur. Et le pire, c'est que dans ça, l'État est observateur. Ah non. Et il vient arbitrer. Comment vous voulez prendre un cas comme l'université de Kinshasa, où tout ce qui était restaurant, tout ce qui était une partie des hommes, tout ce qui était bar et consorts, c'est devenu des auditoires. Ils ne sont pas conçus. Vous avez, comme le cas de la faculté, première année économie, des gens qui suivent les cours jonchés dans les arbres. Bon, comment voulez-vous suivre des cours dans... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de produire des gens dans ces conditions-là. Respectons d'abord les normes de l'université. Respectons le nombre d'étudiants qui peuvent être accueillis et dans l'université et dans le home. Oui, justement, je voulais intervenir à ce niveau-là parce que M. l'abbé en a touché un mot. Si on n'a pas le nombre qu'on a à l'université, on ne parviendra pas à satisfaire les besoins des professeurs. Pareil que ça aussi, c'est lié. On tourne en rond. Mais ça va de soi. L'université est conçue pour une certaine façon de fonctionner. C'est-à-dire que vous dites en premier graduat, il y a 400 personnes parce qu'il y a 400 chaises prévues dans l'auditoire. Mmh. Ben, on s'arrête là. Ceux qui ne peuvent pas être là-bas, on les envoie ailleurs. Ailleurs, oui. Premier problème. On a essayé de pallier ça par la création des instituts privés. Mais c'est encore la catastrophe parce qu'ils étudient sur des bancs des élèves de l'école primaire. Ils sont assis à 4 étudiants sur des bancs de l'école primaire, en train de transpirer, il n'y a pas de micro, comment voulez-vous? Et puis, ils le font par décalage. C'est le même auditoire qui reçoit les étudiants en médecine, le même en économie. Comment vous pouvez étudier en délestage? Ça pose problème. Merci. Alors, après tout ce qui vient d'être dit, mon cher ami, je ne sais pas ce que vous allez ajouter. De toute façon, la moisson, ou disons, votre réflexion va au-delà de cela. Non, c'est vrai, parce que si la question qui a été posée, c'était université de masse ou université élitiste. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Maître Magala, parce que finalement, c'est par rapport aux besoins du pays qu'on doit se dire maintenant on privilégie telle filière et on crée des mesures incitatives pour attirer le plus grand nombre dans ces filières-là, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est ça qu'il nous faut. Et c'est l'État qui doit faire l'inventaire de tout ça. L'État doit penser d'abord un système plus pointu, parce que là, on est toujours dans les récitations, dans des choses qui n'ont vraiment pas d'utilité concrète. On a parlé, évidemment, du savoir pour le savoir. C'est vrai qu'il faut toujours avoir le plus de connaissances possible, mais on ne doit pas perdre de vue quand même qu'au bout de tout ça, il faut que la personne puisse être utile à la société. Et à lui-même et à la société. Et à la société. Donc, si l'État lui-même définit ses priorités pour dire, voilà, dans les 5, 10, 20 prochaines années, parce que c'est sur des périodes longues,
dit, voilà, moi, je voudrais avoir autant d'ingénieurs en ceci ou en cela. Pont et chaussée. Les Indiens, c'est ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Les Chinois aussi. Donc, ceux qui ont réussi nous montrent ce que nous devons faire. Nous n'allons pas chercher à inventer la roue. À partir du moment où l'État sait que des ingénieurs agronomes formés pour effectivement aller mettre en valeur nos terres, ben, il en faut beaucoup, et sur une période comme ceci. Et à ce moment-là, on dit, voilà, l'État met le cap sur autant de milliers d'ingénieurs agronomes dans 10 ans. Et on prépare déjà maintenant pour arriver à ça. Même chose pour les autres domaines. Mais à ce moment-là, il faut que l'État ait suffisamment montré qu'effectivement, il prend les choses en main, les choses au sérieux. Nous ne sommes pas là, c'est ça le drame. C'est que nous avons l'impression que nous sommes toujours en train de gérer l'existant, c'est-à-dire la médiocrité ambiante. On ne se donne pas les moyens de sortir de là. Pour dire, voilà, il faut faire un pas, un saut qualitatif pour espérer arriver à des résultats satisfaisants dans les années qui viennent. Tout à fait. Nous, on est encore en train de se dire, bon, mais comme il y a l'obadium qu'on a, enfin, maintenant ça s'appelle l'Unikine, quand on a fermé et qu'on a été voir dans quelles conditions les étudiants vivaient, c'est là qu'on a découvert. Il manque de prospectifs. C'est pas normal, ça. C'est oui, pas mais, normal. Et puis, tout le monde sait que pour qu'un pays se développe à la manière des dragons, il faut commencer par produire ce que vous allez consommer sur place. Et nous, je donne l'exemple de l'ex-voix du Zaïre, on va former 1000 journalistes, mais pour quoi faire? Alors qu'il faut peut-être former d'autres filières pour être... En tout cas, ça, c'était un problème important à poser. Le gouvernement devait se demander dans quelle filière il doit verser de l'argent pour subventionner telles études, comme l'a dit Monsieur Magala. C'est un problème de planification. Ouais. Un problème de planification avec le résultat que l'on vise. Faire des plans à long terme. On vit trop. Commençons par 5 ans, par exemple. On vit trop. Au jour le jour. Au jour le jour. Le court terme, le moyen terme, mais le long terme, on n'y pense pas trop. On est dans le quotidien. On est dans l'immédiatisme. Ça, c'est un mal qui ronge notre société, à tous les niveaux. L'immédiatisme. Qu'est-ce que ça me rapporte, moi, aujourd'hui, professeur à l'université? Qu'est-ce que ça me rapporte, moi, maintenant? Qu'est-ce que ça me rapporte, immédiatement? Je donne cours et... bon, on se retrouve à une réunion des enseignants, conseil académique, et je pose le problème de notre prime de direction de mémoire, par exemple. Quand un professeur dirige un mémoire, il a droit à une prime qui lui est donnée par son employeur. L'employeur, à l'université, dans les instituts supérieurs qui ne sont pas privés, les instituts de l'État, c'est l'État. Et j'ai dit, nous n'avons pas le droit, en tant qu'enseignants dans un institut d'enseignement, dans une université de l'État, de demander la prime que notre employeur devait nous donner, la demander à l'étudiant. C'est que quelque part, nous faussons la donne. Alors, il y a donc planification à long terme, se dire, eh bien, dans 10 ans, par exemple, dans 10 ans, quels sont les secteurs dans lesquels nous voulons avoir des éléments d'élite bien formés, performants, oui, n'est-ce pas? Et qu'allons-nous y mettre comme moyen? Il y a un élément en plus, c'est l'élément de cet amour du savoir ou de la science qui s'observe à travers certains comportements. Par exemple, un étudiant, eh bien, il est appelé à lire
au-delà du syllabus. Et donc, à fréquenter la bibliothèque, à fréquenter les librairies, lorsqu'il y en a. Je me rappelle qu'à l'époque où nous étions à l'Unikin, il y avait une librairie, bon, petite, hein, mais pas à l'instar de l'Université catholique de Louvain, où j'ai étudié, où tu as des librairies, pas une seule, mais des librairies, des grandes librairies. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en Europe, en France, partout, tu as la FNAC. Et la FNAC, tu trouves ça dans pratiquement dans presque toutes les villes, n'est-ce pas? Mais ici, ben, on avait une petite librairie à l'université. Aujourd'hui, on pouvait commander le livre arrivé dans une semaine. La librairie dans nos universités. Où sont parties les bibliothèques bien achalandées, bien équipées qui mises à jour, n'est-ce pas, avec les ouvrages actuels? Un, les bibliothèques au niveau public, des institutions publiques, on n'en trouve pratiquement plus de qualité, n'est-ce pas? Mais il y a plus que cela. Un professeur d'université, il est censé avoir une bibliothèque personnelle qu'il enrichit lui-même par des acquisitions de toutes sortes. Mais pour cela, il faut qu'on lui donne les moyens. Mais non seulement qu'on lui donne les moyens, mais il faut que lui-même ait l'amour du savoir, l'amour de la science, n'est-ce pas? Et pas recopier le syllabus de 1901 qu'il a eu de tels professeurs, ils reproduisent cela et ils vendent ça aux étudiants, sans parfois fournir l'effort de faire la mise à jour, ne fût-ce que cela. Non, l'étudiant, il se référera à quel modèle d'homme du savoir, d'homme de science. Si nous en sommes arrivés là, je pose la question à tout le monde, c'est une sorte de crise d'identité, de crise tout court, de manque d'éthique, de tout cela à la fois. Ben, c'est, j'ai beaucoup aimé une expression que j'ai entendue avant cette émission, c'est le déni de l'université. On a dénié l'université. On a dénié l'université dans son identité, dans sa mission. Ce qui fait que le professeur qui devrait former l'étudiant à l'amour du savoir, à l'amour de la science, n'est plus ce professeur. Ne porte pas lui-même cet amour. Ne porte pas cet amour de la science. Et l'étudiant qui devrait trouver chez le professeur un stimulus, en quelque sorte, pour dire, ah, je voudrais être comme lui, je voudrais en savoir autant, et je vais aller faire des recherches et tout. Je me rappelle, à un moment donné, vous êtes à l'université, eh bien, le prof parle de tel sujet et il vous indique un ouvrage qui existe. Vous allez chercher cet ouvrage dans les librairies ou dans la bibliothèque, si vous n'en trouvez pas en librairie, en bibliothèque ou en librairie, et vous vous procurez cet ouvrage pour approfondir ce que le professeur a évoqué. Tout cela, malheureusement, n'existe plus. Mais il y a d'autres phénomènes que nous pouvons développer. Par exemple, il y avait ces clubs dont nous parlions avant de monter sur ce plateau, où les étudiants, je vous redonne encore la parole, où on se réunissait samedi, dimanche, pour ajouter autre chose au savoir appris à l'école. Ça n'existe plus. Ben oui, aujourd'hui, il y a des associations des jeunes, il y a des associations même avec des étudiants. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces associations? Qu'est-ce qu'on fait dans ces clubs de jeunes aujourd'hui? Ben, on danse plus. On va en excursion, on s'amuse, on organise toutes sortes d'activités, de loisirs, mais et jamais d'activités intellectuelles. Maître Magala, parce qu'il faut bousculer les choses, hein. Qu'est-ce que vous... Bon, il faut bousculer, c'est vrai, mais on doit d'abord commencer par ne plus vivre d'expédients. C'est-à-dire qu'il faut une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'université? Qu'est-ce qu'on veut faire du Congo? Qu'est-ce qu'on veut faire du Congo? Et en fonction de ça, on sait quel type d'homme former. On a vécu sur le mandat passé du président Kabila 5 chantiers. Mais dans quelle école on forme les ouvriers de bâtiments publics et travaux publics? Dans quelle école ici on forme les carreleurs?
je prends des exemples, vraiment, c'est-à-dire que des gens qui peuvent être utiles dans les 6 mois pour désengorger l'université et créer des métiers directement utiles. Des plombiers, des électriciens, des bâtiments. Vous savez ce que j'ai appris ? Il y a beaucoup on enseignait à Lubumbashi beaucoup de sciences, par exemple en librairie, en livres et tout ça. Mais un jour, je demande au plombier à Lubumbashi, je dis, mais pourquoi vous parlez Lingala ? Ici, on parle sur... Il dit, non, moi, je ne connais pas, moi, je viens de Kinshasa. Il paraît que les plombiers, on les formait ici. Est-ce que ça continue, je sais pas. Mais c'est ça le souci, justement. On a un pays en reconstruction, mais on ne forme pas les gens pour construire. Les constructeurs. Oui, c'est-à-dire que vous verrez dans la ville, il y a des beaux bâtiments, 5-6 étages, mais quelle finition ? La finition laisse à désirer. Alors qu'on doit commencer par ça. Pour avoir une bonne finition, il faut faire venir les Indiens, il faut faire... Les Égyptiens. Ce n'est pas normal. Et on est fiers de ça. Non, je fais venir les Égyptiens. Et c'est un responsable politique. Non, on ne peut pas en arriver là. Le premier problème. Deuxième problème, quand on se met aussi dans la tête de l'étudiant, il y a un découragement. Quand il voit les gens qui ont les diplômes équivalents et qui ne font rien, il se dit, bon, autant avoir le parchemin et puis on ne sait jamais... On fait autre... Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition. C'est comme ça qu'on a tout un tas de licenciés qui sont cambistes, qui sont chauffeurs, qui sont... Il n'y a pas d'ambition. Pourquoi ? Parce qu'ils font l'université sans objectif. Quand on va à l'université, il faut avoir un objectif. Au départ, on avait cycle d'orientation et puis humanité. Bon, après, qu'est-ce que vous allez faire ? Même le collège aidait à vous orienter. Il dit, non, avec les capacités que vous avez, comment voulez-vous avoir un diplôme de médecine tout en ayant peur du sang? Vous allez travailler comment? C'est-à-dire qu'on n'a pas donné le rêve aux enfants, on ne leur donne pas de rêve qui les pousse à se projeter dans l'avenir. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu chercher une inscription en économie, on dit ça n'a pas marché, et il est à l'ISTEM. Mais vous allez faire quoi à l'ISTEM? Parce que vous n'en avez ni l'appel... ni les convictions, ni l'amour. Non. Ni l'amour. C'est-à-dire, vous avez un diplôme pour le diplôme. Non, ce n'est pas normal. Que l'État définisse une vision, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. En fonction de ça, on définit quel type d'homme mettre sur le marché et on forme en conséquence. Ça, c'est la partie État. Que les parents prennent en charge l'encadrement de leurs enfants. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être parent et ne pas savoir à quoi votre enfant est bon. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer le temps avec ses enfants. Les jeux de société, la correction d'un devoir, la lecture, qu'est-ce que ton enfant lit ? Comment on peut avoir un enfant qui n'a jamais ouvert un livre ? Bon, évidemment, des fois, les parents aussi ne l'ont jamais fait. Et c'est compliqué. Donc, nous devons réformer l'homme, réformer l'État. Et ça nous aidera à réformer l'université. Bon, Igaba. C'est tout à fait cela, effectivement. Je crois que le tour est fait. L'émission doit nous, en tout cas, inspirer ceux qui ont la charge de prendre des décisions, à prendre les bonnes décisions. Maintenant, on a fermé l'université... Parce qu'on a, il y a eu ce qui a eu. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir sans vraiment toucher au fond du mal qu'il faut extirper. Et donc là, on n'aura pas réglé le problème de fond. Si nous n'avons pas une vision claire du type d'homme dont le Congo a besoin aujourd'hui pour espérer reconquérir sa place parce qu'il l'a perdue, si on n'a pas une vision claire sur ce type d'homme-là, eh bien, on va continuer à faire, comme je disais, à gérer l'existant. Dire, tiens, il y a un petit trou ici, on bouche un peu, et puis il y a un autre. On n'en sortira pas. Le type d'homme qu'il nous faut pour ce pays, on l'a évoqué avec d'autres mots, c'est des bâtisseurs. Parce que le bâtisseur, lui, voit le beau. Quand on voit les fils, comment les fils électriques sont
entremêlés, oui. Ils se disent, mais qui a conçu, qui peut avoir envie de faire des choses comme ça. De vivre dans un environnement comme ça. Des fils électriques qui sont comme ça, pendus partout. Vous allez en Europe, vous ne verrez jamais ça. Quel exemple suivons-nous? Donc, tout ce que nous faisons, c'est vraiment comme on le faisait... Dans la forêt, quoi. Oui, tout à fait. On doit former des bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui font des choses en ayant en tête qu'il faut, ça doit être beau. Beau, utile, solide. Solide et tout. On doit former des entrepreneurs, des gens qui ont l'esprit d'entreprise. Quand il arrive, il voit, il a une idée, il dit, tiens, mais si on faisait ça, ça pourrait améliorer ceci. Et ils créent, donc ce sont des créateurs. Nous devons former des conquérants. Nos enfants doivent avoir cet esprit de conquérants qui vont non seulement aller à la conquête de leur pays, parce que leur pays n'est pas encore conquis par eux, mais aussi à la conquête du monde. Parce que c'est cela l'homme que nous devons forger pour demain. À ce moment-là, nos enfants vont enfin avoir envie, effectivement, d'acquérir ce savoir qui permet d'aller vers cet idéal-là. Aujourd'hui, il se dit, j'aurai un diplôme, mais bon, mon ami qui, lui, a passé tout son temps, parce qu'il est, il est d'une famille aisée, a acheté tout ce qu'il avait acheté, dès qu'il a son parchemin, le lendemain, il est déjà conseiller à la présidence, ou je ne sais pas où, il ne peut pas faire une note, rédiger une note, simple note, qu'un conseiller est censé présenter à sa hiérarchie, mais il est conseiller. Alors celui qui a passé tout son temps a quand même essayé d'emmagasiner le maximum possible pour pouvoir, disons, dans la compétition, se trouver en bonne position, il est un peu désillusionné, il s'est dit, mais finalement ça sert à quoi? Quand vous dites que ce pays n'a pas encore été conquis, je donne un exemple, on parlait hier avec des amis, et ils disent non, tu sais, les Indiens, pourquoi les Indiens et les autres ne sont pas dans le Bandundu? Alors d'autres disent parce que la route n'est pas encore le jour où la route va se terminer, ce sont eux qui seront les premiers à être là-bas et à commencer à vendre. Mais comment est-ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas avoir justement cet esprit de conquérant, cet esprit de gagneur, cet esprit de vainqueur pour savoir où se trouve l'argent? On dit non, au Katanga, il y a beaucoup d'Indiens, d'Hindous, à Kinshasa, ils sont nombreux. Pourquoi ils ne sont pas dans le Bandundu? Mais c'est parce que, justement, j'ai l'impression qu'on ne voit même pas d'où peut sortir l'argent. Mais les autres le sentent tout de suite. Et pourquoi pas nous autres? Logique. C'est-à-dire que... Maître Magala. Il faut comprendre une chose. C'est que le pays ne se développe pas avec des mégastructures. Un pays se développe avec des PME. C'est-à-dire où l'État soutient l'initiative privée. Ce sont les PME qui développent le pays. Tout ce que vous avez comme... ce que nous avons ici comme doing business, c'est, on évalue en fait la vie des PME. Mm-hmm. C'est ça qui booste l'État. Et c'est ça qu'on devait apprendre aux gens à faire. C'est-à-dire qu'on doit pousser les gens à créer des entreprises, pas à circuler avec des fardes sous les selles pour chercher du travail. Parce que le travail, il faut le créer, il n'existe pas. Ici, nous avons peur d'entreprendre. Pourquoi? Il n'y a pas d'issue. Vous allez entreprendre déjà avec quoi? Parce qu'on n'a pas une politique cohérente de financement des PME, ou même de, comment on appelle, des dettes pour investir. Mm-hmm. Je pense dans ces termes-là. Mm-hmm. C'est un premier problème que nous avons. Deuxième problème, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas d'ambition. Vous savez, il y a un Ivoirien là, Tidjane, mm-hmm, qui s'est retrouvé aujourd'hui patron d'une banque suisse. Mm-hmm. Un noir, patron d'une banque suisse. Tout le monde s'est retourné. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Il a un niveau suffisamment élevé par rapport à la concurrence, tel que le savoir n'a pas de couleur, il faut le dire. Mmh. Quand vous connaissez... Vous connaissez. Vous connaissez, on vous prendra de là où vous êtes. Et on vous laissera vous exprimer parce que vous connaissez. Vous précédez.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un professeur d'université congolais, mais il n'a pas le temps de réfléchir à l'actualité. Il doit survivre. Ne lui demandez pas d'aller lire. Il va lire quand? C'est comme ça qu'on le perd trop tôt, parce qu'il enseigne dans 5 universités. Il est humain. Il va tenir comment? Non, il a aussi des enfants à faire étudier. Il doit faire face à certaines charges. Quand il est payé 10 dollars l'heure, qu'est-ce que vous attendez? Il fait le maximum en bâclant les cours dans toutes ces universités. Qui trop embrasse. Pour essayer de joindre les deux bouts. Conséquence, les étudiants, ils ont des syllabus conçus en 51. Avec un système totalement dépassé. Quand il arrive aujourd'hui, on lui parle de droit OADA. Il a un diplôme de droit, il regarde OADA, il ne sait pas. Il dit que c'est un nouveau terme qui n'a jamais... Ça peut pas marcher. Alors, c'est l'abus où, quand on remplace, il y avait Mobutu, on remplace par Kabila. le travail est fait. Peut-être pour terminer. De toute façon, ce qu'on peut dire à nos enfants, c'est que tous ceux qui étaient intelligents, entreprenants, quand nous étions jeunes, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ont échoué. Donc, quand vous êtes entreprenant, vous êtes bien encadré, il y a moyen, pour prendre l'exemple que vous preniez, vous êtes le plus brillant, vous irez au Cap Canaveral pour travailler avec les autres, pourvu qu'on vous en donne l'occasion. Est-ce qu'il n'est pas, temps de commencer à moins parler politique? Peut-être qu'on est trop dans la politique politicienne et on oublie le reste. Peut-être. Non, monsieur Lamé? Non, il est temps qu'on parle de la politique autrement. Très bien. C'est-à-dire, la question qui a été posée tout à l'heure et l'intervention de Maître Magala tout à l'heure, on n'y a pas fait, attention. Il a dit, quelle est la vision du Congo que nous avons? Avant de former des hommes pour le Congo, il faut se poser la question de savoir quel est le Congo que nous voulons, quel est le Congo dont nous rêvons, quel est le Congo que nous voulons bâtir, n'est-ce pas? C'est à partir de cette image, de cette vision du Congo, de ce portrait robot, que nous allons dire, pour que nous arrivions à ce Congo-là, voilà le type d'homme dont nous avons besoin. Et un type d'homme entrepreneur, bien sûr, créatif, inventif, tout ce que vous voulez, mais d'abord, quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble? Un bâtisseur, mais il doit bâtir à partir d'un plan de construction. Et le plan de construction, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Ce qui fait que nous parlons du Congo, mais nous ne savons pas de quoi nous parlons. De quel Congo s'agit-il? De quel Congo s'agit-il? On parle de chacun, chacun a un qualificatif pour son chef. C'est l'absence d'une vision commune, l'absence d'un imaginaire collectif qui, à mon avis, rêve commun. D'un rêve commun, n'est-ce pas? Et ça, c'est le grand problème, même par rapport à l'université. La question, je me suis posé cette question. J'étais curé dans une paroisse un peu de campagne ici, de la périphérie, et les habitants, les paroissiens viennent me dire, eh bien, nous devons créer une école privée paroissiale. Je dis, ah bon, c'est une bonne chose, mais une école privée paroissiale, pour quoi faire? Alors, quand tu poses cette question, aller voir, étudier, on crée une petite commission, aller étudier le milieu dans lequel nous sommes, qu'est-ce que nous voulons pour notre milieu, et quel type d'homme nous voulons, et quels sont les moyens que nous avons pour mettre en œuvre ce projet d'une école privée paroissiale. Ils me reviennent 2-3 jours après, alors que je leur ai donné de la documentation sur... Quelle école pour quelle société? C'est de la réflexion. Quelle école pour quelle société? Aujourd'hui, on pourrait dire quelle université pour quelle société? D'abord, on définit la société que l'on veut.
Et ensuite, le type d'université dont on a besoin. Et donc, le type d'homme qui sortira de cette université transformera la société. Eh bien, ils me reviennent avec quoi? Avec un organigramme, une répartition des tâches, tel qui veut être directeur de l'école en question, tel qui doit être superviseur. De préférence avec le salaire à côté. Évidemment. De rêve. Alors, quand ils me reviennent avec ça, je dis, c'est pas ça que je vous ai demandé. Parce que bon, tout ce que vous avez fait là, vous allez l'obtenir comment? Parce que le milieu ici, qui sont les parents qui seront capables de payer une école privée? Pour que nous ayons suffisamment d'argent pour pouvoir payer les enseignants ou les directeurs et les autres. Conclusion, monsieur. Conclusion, Abbé. Je dirais tout simplement qu'il nous manque quelque chose de fondamental, c'est la vision commune du Congo que nous voulons. Le rêve commun du Congo que nous voulons bâtir ensemble pour que nous puissions déterminer le profil de l'homme congolais qui doit sortir de nos universités, de nos instituts supérieurs. D'accord. On a eu un institut comme IPN, Institut Pédagogique National, qui formait des enseignants, qui formait des professeurs, qui formait des agrégés et tout ça. Mais je me suis posé la question, pourquoi on a dû transformer cela en université? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de transformer cette IPN IPN alors qu'on a plus besoin des instituts? On y reviendra, monsieur l'abbé. Je voudrais vous provoquer. Est-ce que vraiment, à voir là où nous en sommes, nous méritons cet espace dans lequel nous vivons, Maître Magala? Bon, nous devons le mériter parce que c'est le nôtre, mais qu'en faisons-nous? C'est ça la question. Et je reviens justement sur cette problématique de créer les hommes dont on a besoin. Nous nous vantons d'être un scandale minier, mais où est-ce qu'on forme les miniers dans ce pays? On n'a pas. Où est-ce qu'on forme les environnementalistes? Parce que nous avons la forêt. Aujourd'hui, il y a un problème tourbière. On ne l'a pas étudié. Aujourd'hui, nous avons une école comme l'ISTA. Pourquoi ne pas penser déjà à ce niveau, à la voiture électrique? Parce que nous avons tout ce qu'il y a ici pour produire des gens qui seront utiles dans 5 ans. Il paraît que... Je vais vous couper la parole, non, il n'y a plus que 3 minutes. Il paraît que le cobalt... il ne va plus vraiment servir aux batteries des voitures électriques. Mais enfin, en attendant que cela arrive, profitons-en quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Nous méritons ce... Ben, je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas mérité. En 60 ans d'indépendance, nous avons suffisamment détruit ce pays pour ne plus continuer à nous auto-glorifier, dire nous sommes ceci. Aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Parce que le monde entier qui nous regarde, ils se disent, voilà, d'ailleurs un pasteur qui faisait, il dit, voilà, eux ils passent tout leur temps à dire Zambassa, Dieu leur a tout donné, mais ils continuent à lui demander que lui-même vienne faire ça. Les voitures électriques, c'est Dieu qui viendra les fabriquer, c'est Dieu qui viendra donner à manger, et ainsi de suite. Donc je crois que 60 ans d'indépendance devrait être le moment où nous nous disons, stop. On doit changer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous avais dit que parents, étudiants, professeurs, vous étiez concernés par cette émission. Elle vient de se terminer. Mais posons-nous, continuons à nous poser la question de savoir si nous le méritons, ce pays cadeau de Dieu. Ce sont d'autres qui viennent nous apprendre comment on fait les mines. Nous n'avons pas formé l'environnement, nous avons des tourbières, mais on en entend parler, on sait que c'est pour nous, pour les villageois, c'est de la saleté accumulée par les herbes. Non, je crois qu'il est temps de nous remettre en question pour peut-être tenter de faire un portrait de robot de ce que nous voudrions faire de ce pays demain, au lieu de passer nos heures à parler politique, à nous auto-haïr, il y a autre chose à faire. Nous continuerons ce numéro la fois prochaine. Merci de nous avoir suivis. Et donc, dans 2 semaines. Merci, messieurs.